Dans le cadre de la Mère en débat, nous avons questionné Isabelle Autissier en tant que présidente de l'École de la Mer pour Espace de culture océane, du littoral et de l'environnement, basée à La Rochelle. Pouvez-vous vous présenter et présenter l'École de la Mer ? Bonjour, je suis Isabelle Autissier, je suis la présidente de l'École de la Mer à La Rochelle, qui est une association d'éducation à l'environnement marin qui a plus de 20 ans maintenant, qui est partie d'un constat assez simple, assez terrible peut-être, c'est qu'au fond les Français ignorent énormément de choses de la mer, ils la voient juste comme un espace de jeu, de baignade, ce que c'est aussi, mais ils ne savent pas du tout comment ça fonctionne. Et donc notre idée, c'est d'amener pour toutes les tranches d'âge, avec des projets différents bien évidemment, cette compréhension de qu'est-ce que c'est qu'un littoral, en particulier littoral, mais d'une manière générale la mer, comment ça fonctionne d'un point de vue physique, les marées, les courants, les submersions marines maintenant malheureusement, mais aussi comment ça fonctionne d'un point de vue biologique, comment on peut reconnaître en allant sur une plage ou sur un estran rocheux les différents éléments qui composent la biodiversité, comment ces éléments s'articulent les uns avec les autres. Quelle importance l'ensemble de cette communauté du vivant et de ces éléments chimiques et physiques interfèrent avec la vie des hommes, avec la vie des gens sur le littoral, mais éventuellement au-delà, puisque dans notre public, on a aussi bien des gens ici, plus localement ou régionalement, mais on a aussi tous les touristes qui vont venir en vacances. Et puis, dernier élément très important pour nous aussi, comment est-ce qu'on peut agir ? Comment est-ce qu'on peut agir individuellement ? Je pense par exemple à la question des pollutions plastiques, mais il y a d'autres choses aussi. Comment est-ce qu'on peut développer sa culture de la mer, se sentir acteur de la mer et donc préserver cette mer ? Parce que, in fine, finalement, cette mer va être extrêmement importante pour la survie globale, non seulement des populations du littoral, mais de l'ensemble des populations. Quel est le public cible de vos actions ? Alors, dans l'ensemble des projets de l'École de la mer, il y a des projets qui vont s'adresser par exemple plutôt aux adultes. Ça va être des conférences à tendance un peu plus scientifique. Ça va être la rencontre avec les gens qui vont à la pêche à pied, par exemple, ici sur nos côtes. Et ça va être souvent de répondre aussi à la demande des collectivités. Et je pense en particulier à toutes les sensibilisations que nous avons pu faire après la terrible tempête Xynthia. Et tout d'un coup, le sentiment que l'envahissement marin, que l'élévation du niveau de la mer pouvait commencer à poser un problème pour les populations littorales. Donc comment est-ce qu'on arrive à les sensibiliser ? Comment est-ce qu'on offre des solutions et qu'on rend tout cela beaucoup plus concret ? Mais ça peut être bien sûr des animations pour les enfants, qui peuvent être des sorties sur le littoral pour aller comprendre quelle est telle espèce, quelle est telle algue, comment tout ça s'articule. Ça peut être de répondre, bien sûr, aux demandes de l'éducation en général, des enseignants, du corps enseignant, sur des projets de classe, sur des projets de sensibilisation. Donc nous, du côté de l'École de la mer, on va avoir une sorte de catalogue, on va dire, d'animation qui correspond à des niveaux différents pour les enfants, une connaissance évidemment de plus en plus complexe, ou ça peut être de s'adapter à un projet de classe ici dans la région et donc à des sorties particulières ou à des venues particulières des enfants à l'École de la mer. Un exemple d'action pour l'avenir ? Il y a un projet qui nous tient beaucoup à cœur depuis quelques années à l'École de la mer, ce sont les aires marines éducatives. On en supervise en ce moment 11, ce qui est beaucoup. Et en fait, c'est une façon pour les enfants de découvrir et de s'approprier une partie du littoral. Donc ça veut dire un certain nombre de sorties sur le terrain pour qu'ils repèrent, qu'ils comprennent, qui est une plage, qui est un morceau de falaise ou de dune, ou qu'ils comprennent la logique physique, mais aussi quels animaux on va pouvoir trouver, quelles plantes, quelles algues on va pouvoir trouver, quelle pollution malheureusement aussi on va pouvoir trouver, et que dans leur tête ils puissent imaginer aussi qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que cette petite portion qu'ils se sont entre guillemets auto-attribuée puisse aller mieux. Est-ce qu'ils auraient des solutions à proposer? Et on essaye comme ça de décortiquer toute la mécanique depuis le constat jusqu'à l'action. Un message, une bouteille à la mer? Si j'avais une dernière chose à dire, je crois qu'il faut quand même tous qu'on prenne conscience qu'il n'y aura pas de population
en bonne santé et en bon état, et de société en bon état, si l'océan meurt et si les côtes, la vie sur les côtes meurt, ou s'il y a des dévastations dues au dérèglement climatique, des choses comme ça, trop importantes. Donc c'est notre responsabilité à nous humains, évidemment par rapport au milieu, mais avant tout par rapport à nous-mêmes, d'arriver à conserver une mer vivante. C'est ce à quoi s'attache l'École de la mer.